aussi lire dans Ephésiens chapitre 6. Tutasoma pia katika kitabu Efeso sura ya 6. Nous lirons aussi les quatre premiers versets. Tutasoma pia ile mistari ine ya kumwanzo. Nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma neno mujina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Neno ya wa milele kaelezewa kwa Yona. Fils d'Amitai. Mwana wa Amitai. En ces mots. Mumisemo hii. Lève-toi, va à Ninive. Simama wende huko Ninive. La grande ville écrit contre elle. Ile muji na upate kuilalamikia. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Kwa sababu kali yake imepanda mpaka kwangu. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis. Na Yona yeye akasimama akakimbia kwenda Tarsis. Loin de la face de l'Éternel. Kule mbali na uso ya milele. Il descendit à Jaffo. Akashuka huko Jaffo. Et trouva un navire qui allait à Tarsis. Akakutanisha kule safina iko ikienda Tarsis. Il paya le prix du transport. Akalipa bei ya transporti. Et s'embarqua pour aller avec le passager à Tarsis. Na akapanda pamoja na wateja kwa ajili ya kwenda kule Tarsis. Loin de la face de l'Éternel. Kule mbali na uso ya wa milele. Prions le Seigneur. Tuombe Bwana. Éternel notre Père. Wa milele baba yetu. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Kabisa tuko na shukrani kwako. Toi qui a rendu cette réunion possible ce matin. Uwe mwenye asubuhi leo nafanya kusanyiko hizi kane. Tu nous as donné la force. Ulitupatia nguvu. Souffle de vie Seigneur. Uwe Bwana. Et l'opportunité de tourner de page de ta Bible. Kupatia nguvu kugeuza vikaratasi hivi pia. Afin que nous puissions lire Seigneur. Ili tupate kusoma Bwana. Ce que toi tu as placé dans ta Bible. Ile enye ulitia katika Biblia yako. Après avoir lu ces écritures. Et tulisoma maandiko. Te demandons que toi l'auteur de la parole. Tunakuomba wewe mtenza ineno. Que tu sois au milieu de nous Seigneur. Upate kuwa katikati yetu Bwana. Et que tu puisses nous parler ce matin. Na upate kusema nasi. Prends contrôle de l'auditoire. Beba uongozi hii kusanyiko. Que tous les esprits qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ. Marozo tenyai kikiri jina la Yesu Kristo. Les esprits de distraction. Ya kulengama ya uzaifu ya ubaridi. De lourdeur. Ya ujitu. Toutes les envoûtements du diable. Ya kuvuta na kupokea kwa shetani. Nous les ordonnons de libérer cet auditoire. Kuza tunaiani. Et de rentrer en enfer dans le nom de Jésus-Christ. Parle-nous Seigneur et donne-nous l'attention soutenue. Je m'abandonne à ton sentiment. Accepte que toi-même tu puisses réellement parler Seigneur. Ouvre ma bouche à ce qui est ta parole et ferme-la à ce qui n'est pas ta parole. Loin l'auditoire tout entier, loin l'interprète, loin la bouche que tu vas utiliser. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Bénis-nous ce matin. Parle-nous, Seigneur. Bénis ton peuple. Que la parole guérisse le malade dominé de nous, Seigneur. Et que cette parole puisse réellement délivrer ce qui était sous l'emprise du diable. Oh Dieu, agis à maître. Sois la réponse à tous les problèmes que tes enfants ont, Seigneur. Nous te bénissons dans le nom précieux du Seigneur et dans terre. Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amina. Alors que vous prenez place, je vais encore ajouter Ephésiens chapitre 6, les quatre premiers versets. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois erré et que tu vives longtemps sur la terre. Et vos pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-le en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Amina. Et tout croyant de la parole, wote waneno, sait très bien anajua vizuri, ce verset ya kwamba yandiko, ce que le Seigneur nous demande. Ni ile ndio enye Bwana anatuomba. Nous devons faire en tant que parents. Tunapasha kuifanya sawa wazazi. En tant que enfants. Tunapasha kuifanya sawa watoto. Ce matin, asubuhi ya leo, remercions notre Dieu. Tunashukuru Mungu wetu. Pour le souffle de la vie. Kwa ile pumzi ya uhai. La force qui nous a donné. Kwa ile nguvu enye alitupa. Afin que nous soyons. Ili tupate kuwa. Ce matin dans sa présence. Que son nom soit béni à jamais. Je pense que vous êtes dans la joie pour écouter la parole. Ils sont dans la joie ici, manifestement. C'est très bien. Ça veut le Saint prophétie que c'est l'atmosphère.
l'atmosphère qui produit le miracle. Vous avez une très bonne atmosphère de réception. Le Seigneur ne manquera jamais de vous bénir. Et ce matin, je prie qu'il vous bénisse tous. Qu'il vous accorde le profond désir de votre cœur. Amen. Je prie aussi qu'il bénisse une de mes filles qui m'a vêtu aujourd'hui. Donc dernièrement, il m'avait vu, c'est une jeune sœur. J'ai un poids dans mon cœur ici. Je sens que je dois faire ce que le Seigneur me pousse à faire. Je dis, bon, le poids, c'est quoi? Non, je dois vous acheter. J'ai besoin que vous puissiez porter la costume que moi j'ai acheté. Ok, que le Seigneur te bénisse. Et hier, quand j'ai quitté la réunion des ministres, j'arrive ici. Avant que j'arrive, elle m'appelle au téléphone. Paragraphe 21.
bien longtemps. Et ça va kuna zamani. Nous allons maintenant parler sur ces six jeux. Dieu faisant sa promesse. Maintenant, ces tests que nous étudions aujourd'hui. Je pense que c'est l'un des tests le plus remarquable de la Bible. Certainement. Cela était. Cela a eu lieu au fleuve Jourdain. Il y a de cela 2000 ans. Lorsque le monde était depuis longtemps dans un chaos, Israël avait rejeté Dieu. Israël avait rejeté ses lois, ses statuts, ses ordonnances, et avait été déporté. Et jamais Israël n'avait eu de meilleur. Jamais Israël n'avait eu de malheur aussi longtemps qu'il restait en harmonie avec les commandements de Dieu. Et éduquez vos enfants, prendre vos responsabilités, c'est l'un des commandements de Dieu. Et Dieu, jamais une église ne faillira, jamais un programme ne faillira aussi longtemps que ceux qui en ont la responsabilité resteront au centre de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est parfaite et toute chose sera juste à sa place. Si on reste dans la volonté de Dieu, toute chose sera juste à sa place. Mais quand on sort de la volonté de Dieu, ici, cela bouleverse tous les programmes. Il dit juste à un seul endroit. Souvenez-vous du lingot d'or d'Akan. Or, il suffit simplement de vous écarter sur un seul point. Si vous voyez que vous êtes sorti du chemin, retournez, repentez-vous pour cela, redressez la chose. Vous ne pourrez jamais aller plus loin jusqu'à ce que vous aurez redressé cette chose-là. Vous êtes obligé de vous remettre carrément en ordre avec Dieu. Une fois que vous négligez un seul point, ce que je vous avais dit ici le vendredi, que le problème n'est pas au niveau de ce que nous faisons. Le problème est au niveau de ce que nous manquons de faire. En tant que parents, nous faisons beaucoup de choses. Mais il y a certains points que nous ne veillons plus. Nous négligeons de faire cela. Une fois que vous négligez, sachez très bien que vous êtes sorti de la volonté du Seigneur. Et les choses ne marcheront pas. Il y a certaines foyers, certaines familles dont les choses sont bloquées, dont rien ne marche. Tout ça pourquoi? Parce que papa ou maman a abandonné ses responsabilités. Maman veut être comme papa. Papa veut être comme maman. Et quand vous faites des choses comme ça, vous ne serez jamais béni. Et le Seigneur ne marchera jamais avec vous. Amen. Comme je vous avais dit le vendredi, depuis le mercredi, je vous ai dit qu'en tant que parents, vous n'avez pas seulement le droit de crier sur les enfants, de donner sur les enfants. Mais le Seigneur attend de vous une bonne éducation que vous donnez à vos enfants. Parce que vous devez élever les enfants en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Il y a un temps où vous pouvez corriger. Il y a un temps où vous pouvez vous pouvez taper. Mais vous devez savoir une chose. Il doit aussi avoir un temps où vous instruisez l'enfant selon le Seigneur. Vous appelez les enfants, vous
Il se retrouve seul au salon. Papa et maman se sont divorcés. Wa, papa ne cessait
kugeuka kwa binti wake. Enye baba yenu ukisanto kunikataa. Je sais que tu es encore petite. Mimi najua kwamba ukingariki mdogo. Mais ma charge. Lakini mzigo yangu yote. Repose sur toi maintenant. Ni wewe ndio utakuwa na nyangaika. C'est toi qui dois me nourrir. Wewe ndio unapasha kunilisha. C'est toi qui dois payer les loyers. Wewe ndio unapasha kutulipia nyumba. C'est toi qui dois me vêtir. Ni wewe ndio unapasha kunivika. Fille me dit, mais papa, qu'est-ce que je pouvais faire? Bibinta na sema baba mimi napaja kufanya nini pale? Je me suis retrouvé. Mimi najikutanisha. Dans la vie de la prostitution. Maisha ya bundumba. Et vous savez maintenant ce qui se passe? Mnajua nini sana pitikana? Chaque fois qu'elle veut se marier. Et kila wakati anapenda kuoa. Elle me disait qu'il y a un démon géant qui s'interpose entre moi et l'homme qui veut me prendre à mariage. Anasema kuna pepo moja kubwa yenye najitia katikati ya ule mchumba ule mwenye anapenda kunioa na mie. Il a vu des choses horribles. Aliona vitu kabisa vya ovu. Et peut-être endormi. Anaweza kuwa amelala. Alors comme s'il y avait un mari de nuit qui est entré dans la maison. Bwana mmoja usiku mwenye anakuja pale. Et le mari de nuit fait tout ce qu'il pouvait faire. Na ule bwana usiku anafanya vyote anapenda kufanya. Et quand il se réveille, wakati anaamuka, elle voit comment la porte de sa chambre. Anaona namna yenye chumba mlango wa chumba yake. Et elle sent qu'il y a quelqu'un qui est en train de sortir. Inatenga anaona kwamba kuna mtu anatoka pale. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a un papa irresponsable. Baba une maman irresponsable. Na mama mwenye kujua kazi yake. Et l'enfant souffre maintenant. Na mtoto leo anateswa. Vous devez prendre vos responsabilités. Munapacha kubeba daraka yenu. Vous devez bénir vos enfants. Munapacha kubariki watoto wenu. Amen. Amina. La maman doit bénir ses enfants. Mama anapacha kubariki watoto yake. Tu dois pas être une maman qui insulte les enfants. Hawezi kuwa ule mama mwenye kila mara kutukanaka watoto. Leo disant comment ils sont des animaux. Waelezea gizi ni wanyama. C'est ce qu'ils vont reproduire. Na ile ndio wao watakuwa pia. Même si l'enfant se comporte mal. Hata kama mtoto wako anajiongoza vibaya. Wewe umubariki kila mara. Réclamez-le toujours. Wewe mudai kwa katika maombi. Seigneur mon enfant. Bwana mtoto wangu. Seigneur sauve. Bwana muokoe. Seigneur bénis cet enfant. Bwana mubariki mtoto. Et si tu es un chrétien ou une chrétienne, na weka mungu mukristo mwanamume na mwanamke, le Seigneur exaucera votre prière. Bwana yeye atajibia ombi yako. Les esprits séducteurs. Katika mahubiri ile zile maroza utongozi. Paragraph 22. Et kifungua kama 22 23 24. Kama 22 na 3 na 24. Et Franklin Fong. Endo Clifton. Il a ses petits enfants. Ses trois petits enfants. Watoto yake watatu wadogo. À faire consacrer au Seigneur. Yenye aliwatolea kwa Bwana. Il est espace vide. Il est une petite panderie. Eko panderie moja kidogo. Là-bas au nord du pays. Et kule kaskazini ya hichi. Tu m'as promis cet enfant père. Ulinilaka ule mtoto ule. Puisse tes bénédictions reposer sur lui. Acha mabaraka ipate kuikala juu yake. Joseph mon garçon. Et Yusuf mwanangu. Je te donne à Dieu. Mimi nakupatia kwa Mungu. Puisse ta vie être une bénédiction. Acha maisha yako ipate kuwa baraka. Puisse tu être prophète. Acha upate kuwa nabii. Joseph. Yusuf. Puisse la grâce de Dieu repose avec acha toi. Acha neema ya Mungu ipate kuwa pamoja nawe. Puisse le Dieu de ton père. Acha ule Mungu wa baba yako. Le Seigneur Jésus-Christ. Et Bwana Yesu Kristo. Te bénira jamais. Akubariki kwa makarne. Faire de ta vie une bénédiction pour les autres. Et maisha yako ikuwe baraka kwa ajili ya wengine. Au nom de Jésus. Au jina la Yesu. Christ, je le bénis. Amen. Et Christ nakubariki. Amina. Il dit vous aimez les petits enfants. Et munapendaka watoto wadogo. Il y a chez les tout petits. Et kuna wale wadogo kabisa. Je ne sais quoi. Et mimi sijui. Qui fait que chaque mère. Munamnenye kila mama. Fait que son enfant soit béni. Anapenda mtoto yake abarikiwe. Combien de mères qui veulent ça ici? Wangapi wa mama wangapi wanapenda kwa kubarikiwe? Watoto wabarikiwe. Amen. Amina. Il dit oh c'est pareil pour notre Père céleste. Eh iko vile vile kwa ajili ya baba yetu wa mbingu. Vis-à-vis de nous de les adultes. Eh kwetu pia sisi watu wakubwa. Il dit ce matin. Asubuhi ya leo. Il veut que chacun de nous. Ye anapenda kila mmoja wetu. Nous soyons bénis. Tubarikiwe. Il nous présente une certaine chose. Ye anatuoneja vitu fulani. Il nous l'attend simplement. Ye anatunyoroshia tu nayo. Comme pour dire. E kwa ajili ya kusema. Voici, je veux que tu sois béni. Oneni mimi napenda ubarikiwe. Mon enfant n'est-il pas merveilleux? Mwanangu sio mzuri. Alors nous pouvons apprécier un bon Père céleste. Tunaweza kufurahia kabisa baba mzuri wa mbingu. Comme ça. Eh vile kabisa. Amen. Amina. Dieu veut que ses enfants soient bénis. Mungu anapenda watoto yake wabarikiwe. Et vous, na, le maire. Ena nini wa mama? Vous papa. Oui, baba. Bénissez vos enfants. Mungu
ayez le temps de prier avec eux. Même quand les enfants sont déjà au lit, entrez dans leur chambre, prie. Seigneur, bénis mes enfants. Je les abandonne entre tes saintes mains. Que ces enfants ne t'oublient jamais, Seigneur. Laisse que le Dieu de leur père soit aussi leur Dieu. Tu prononces des bénédictions comme ça. Tôt ou tard, ça s'accomplira. Parfois, maintenant, parler de Joseph. Joseph n'est pas allé à la chair du vivant de frère Joseph Madame. Mais c'est quelques années après. Frère Madame est déjà parti au-delà. Et la prophétie est accomplie. Le souhait du Père est accompli. Joseph à la chair. Et frère Madame dit, laisse que ta vie soit une bénédiction pour les autres. Et la vie de frère Joseph n'est pas une malédiction pour les autres. C'est une bénédiction. Avec Joseph aujourd'hui, ce message est propagé. Amen. Tout ça pour quoi? C'est le souhait d'un vrai père, d'une vraie mère sur la vie de ses enfants. Amen. 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 Oh non, cet enfant n'écoute pas. Je trouve qu'en lui, il n'y a pas la profondeur des choses de Dieu. Sachez que quand Frère Branham bénissait ses enfants, il avait aussi des enfants qui, à un moment donné, se comportaient mal. Amen. Il n'a pas dit non et laisse abandonner ses enfants. Je ne veux pas qu'on les va les quitter. Vous n'êtes plus mes enfants. Ça, c'est fuir la responsabilité. Surtout ici au Congo. Il y a des parents qui sont des spécialistes. Il vit en train de piéger les enfants. Tout ça pour chercher comment fuir la responsabilité. Dès que l'enfant commet l'erreur, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus ton père. À partir d'aujourd'hui, fais ta vie. Non, c'est ton enfant. C'est ton sang. Devant Dieu, tu répondras. Qu'est-ce que tu as fait avec ces enfants? Amen. Amen. Et nous avons beaucoup de Jonas aujourd'hui qui essaient toujours de fuir, d'esquiver leur responsabilité. Et quand l'enfant commet l'erreur, ça devient l'enfant de maman. Est-ce ton enfant ici? Je vais te chasser avec ta mère. Et je vais te chasser par après, je suis chrétien. Tu n'as jamais écrit la parole. L'affaire des enfants, qu'elle soit une fille ou un garçon, ça vous concerne tous les deux. Je vais lire le prophète ici. Et vous devez savoir qu'à un moment donné, quand les enfants arrivent à l'âge de l'adolescence, il y a un changement de comportement. Parce que Frère Branham dit, je vais lire l'écriture, à chaque 7 ans, il y a toujours un changement dans la vie d'une personne. Madame dit qu'il arrive des fois, à un certain âge, tu peux voir l'homme qui abandonne sa femme et qui part vers d'autres femmes. C'est le changement de comportement, de caractère. Mais s'il n'a pas le Saint-Esprit, il va se retrouver dans la vie de celui. Et madame dit que le changement de caractère, quand la femme est déjà âgée, c'est ce qui le rend stérile. C'est ce que vous appelez la ménopause. La vie a des changements.
maisha iko na mabadiliko. Et les enfants que vous laissez, na wale watoto sachez que plus ils grandissent, ils vont atteindre l'âge d'adolescence. Dans cet âge là, papa, maman, soyez plus responsables. Écoutez ce que les prophètes disent. Dans pousser à bout. Paragraphe 37. Genèse 139. Et ne l'oubliez pas. Priez pour moi. Et priez pour mon épouse. La femme la plus douce du monde entier. Tu te ramènes, amen. Et Moussé, amen, à ta ville. Son épouse, vous et il dit anasema, ainsi ivi, que pour mes enfants et, kwa jile watoto yangu, et maintenant je le réclame tous pour le Seigneur sasa Jésus wadai wote kwa jile ya Bwana. Et bien basi, Becky a atteint exactement l'âge de petite Riketa. Et Becky ameneza kabisa ile miaka ya wa Riketa. Vous savez, unajua, juste une petite adolescente. Ni kusema iko tu adolescente. Comme nous l'appelions autrefois. Gizi sisi tunaitaka yo zamani. Et elle traverse donc cet âge là. Ni kusema yeko na pitisha ile umri ya miaka ile. Maintenant. Et sasa, elle est une fille très gentille. Yeye ni binti moja mpendelezi. Je remercie le Seigneur pour cela. Nashukuru Bwana kwa ajili ya ile. Elle ne fume pas. Yeye avutake. Elle ne boit pas. Yeye akunywake. Elle ne court pas ça et là. Yeye aengaikake hapa na kule. Rien du tout, mais elle traverse vraiment cet âge. Lakini anapitisha kabisa ile miaka ile. Est-ce que vous aimez les prophètes? Est-ce unapenda nabii? Il dit, elle est insouciante. Yeye ashitukake. Elle n'aime pas aller à l'église. Yeye mambo ya kanisa apendake kwenda. C'est la fille de qui? Ni binti wa nani? Du prophète. Wa nabii wetu. Lui qui avait la plénitude. Yeye mwenye alikuwa na utele ya Mungu. Lui qui parlait avec Jésus. Yeye mwenye alikuwa akiongea na Yesu akionana naye. Lui l'ange. Yeye mwenye malaika. Alikuwa karibu yake. Écoutez, sikia mambo. À l'âge d'adolescence, miaka ya maadolescence, sa fille binti wake n'aimait pas aller à l'église. Hakukuwa apendi mambo ya kwenda kanisa. Est-ce que frère Branham a-t-il abandonné sa fille? Eti ndugu Branham aliachilia binti wake? Est-ce qu'il a maudit la fille? Eti alilani ule binti? Est-ce qu'il a dit que maman que c'est ton affaire? Eti alisema mambo angai mama angaikia hii mambo ya hii ni yako. Akatoto wako aka. Tata fille si Michina tena babake. Moi je supplie son père. Non, abana. Ces langages là, ce sont des langages de païens qui ne connaissent pas Dieu. Il est misemo, il est misemo wa pagano wenye wajui Mungu. Un véritable chrétien, il doit avoir l'esprit de discernement. Mu Kristo wa kweli apaja kuwa na ile roho ya kufafanua. Et le prophète dit, na nabii anasema, et quand elle y voit, wakati anaenda mukanisa, elle s'assit là au fond. Yana ikala kule kumugongo. Mâchant son chewing gum. Akikuwa akikula shingomi yake. Elle est là au fond. Iko kule akipekenya pekenya. Et il dit, nana sema, elle se lève et sort. Ye anasimama na natoka lwake nje. Voyez, munaona? Je vais l'avoir rempli du Saint-Esprit. Mina penda kumuona ajazwe na Roho Mtakatifu. Amina. L'âge d'insouciance. Il miaka enye mtoto angaikie kitu. Elle ne veut pas l'église. Apendi mambo ya kanisa. Elle ne veut pas les choses de Dieu. Apendi hata vitu ya Mungu. Allons-y à l'église. Twende kanisa bina muhusi. Mani bitu gani vile mabicho na kanisa. Et quand elle vient à l'église, wakati anakuja mkanisa, elle ne met pas là. Ana hata mbicho kwa kitikala mwana bakia kule kumigongo. Elle est même en train de manger les chocos. Akikuwa hata akikula hata mashike yake. Wakati moja hivi anajitokea hata nje. Il y a même des adultes ici. Kuna hata wakubwa humu. Qui souffre encore de cette histoire. L'âge d'insouciant. Quand il vient à l'église, c'est comme son épique des choses. Il ne peut pas rester du début de la réunion jusqu'à la fin. Dès que la réunion commence, à un moment donné, il est dehors. Il peut rester là-bas, dans la boutique, il cause, il fait tout ce qu'il veut. Alors que la parole est prêchée. À la fin, l'homme, on est à l'église. Dieu te bénisse, frère. Dieu te bénisse. Et ça fait souffrir des gens comme ça. Et si tu as ces comportements, comprends que tu es comme Becky.
je veux la voir rempli du Saint-Esprit. Il n'a pas dit elle n'est pas ma fille. Il a des démons. Non, il n'a pas vendu sa fille. Il dit j'aimerais voir Joseph. Je veux que ces garçons. Je pense qu'un jour, quand je ne pourrai plus monter en chair, je voudrais prendre cette vieille Bible qui et la lui remettre en disant Joseph, approche-toi à elle, mon fils. Alors je serai prêt à monter au ciel. J'aimerais entendre le vent souffler de quelque part. Levez les yeux, agitez ma main et manala. Amen. Amina. Il dit j'aimerais voir cela. Et je vous avais dit que dans l'éducation que vous donnez à vos enfants, n'enlevez jamais la vieille règle d'or. Et vous connaissez la vieille règle d'or. C'est les chicotes. Et la Bible dit ici, la Bible n'a Proverbe 13, et 24, celui qui ménage sa vierge et son fils. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Parce que tu aimes ton enfant, tu dois le corriger. Et si tu ne le corriges pas, tu n'as jamais aimé ses enfants. Proverbe 23, 13 à 14. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour de mort. Tu délivres l'âme de qui? De l'enfant. Il faut toujours savoir que Dieu fait que vos enfants soient corrigés. Et là où cette règle n'est pas appliquée, Femme Madame dit que le foyer, l'éducation des enfants est détruite. Et vous allez remarquer que les enfants ne restent pas dans la droiture. Ils peuvent répondre à leur mère n'importe comment. Ils peuvent agir comme ils veulent. À un moment donné, un garçon, il peut penser que sa mère est devenue sa femme. Il peut tourner sur elle comme il veut. Il peut venir là parler avec autorité. Maman, où est la nourriture? Oh non, on est en train de faire toujours comme ça. Je sors, je quitte cette place. Madame dit un enfant comme ça, je ne sais pas ce que je peux faire de lui. Et je vais l'arracher le peau avec des fouets pour qu'il comprenne. On ne répond pas bêtement aux parents. Non. Vous devez les honorer. Parce qu'à un moment donné, des jeunes filles, ils deviennent têtes, des garçons têtes. Il y a une bénédiction en honorant les parents, en les écoutant. Dis non, mon fils, ma fille, fais ça. Ne fais pas ceci. Marche comme ça. Il y a une bénédiction là-bas. Tu seras heureux. Tu vivras longtemps sur la terre. L'enfant qui n'écoute pas les parents, il est maudit. Et ses jours de vie sur la terre sont écourtés. C'est pourquoi vous pouvez voir un jeune homme qui meurt. Oh non, on a couffé pour tout vivre.
pas écouter les parents. Et les parents aussi. Vous devez savoir que le fouet est demandé par Dieu. Et Frère Branham appelle ça la vieille règle d'or. Et je vous avais dit le vendredi que cette règle d'or, parce que Frère Branham dit que la règle d'or a été a été écartée de la maison du foyer. Alors que ça devait être là. Et le fouet, ce n'est pas pour la maman. C'est pour les enfants. Parce qu'il y a des frères qui écoutent des choses au travers. Papa. Fim. À partir d'aujourd'hui, je vais voir qui va bouger dans cette maison. On a dit qu'il faut avoir le fouet. Et là, tu vois comme tu es un dictateur. Tu attends toujours. Le pasteur, il y a dans son écriture. Mais le pasteur nous a déjà lu les écritures. Quoi encore? Non, c'est pour les enfants. Ni fimbo, ni awatoto. Un frère comme ça, dès qu'on apprend, on prend les brochures, on vient vers toi pour te faire voir comment tu es païen, tu n'as jamais le Saint-Esprit, tu n'es pas né de nouveau, ta place c'est à l'autel, tu dois chercher la face de Dieu. Est-ce que tu ne peux pas taper sur ton propre corps, ta propre chair? Amen. 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 Amina. Il y a des frères qui disent ça. Sotanga qui écrit bien. Ou le coach a somme en dico mouzuri par un abiyari bichatena. Mais tabaki en baraville. Les influences. Et Katrama obéir mi vuto. Prêchant 64. Et Rastina. Le paragraphe 5 à 9. Et qui fonga qui a tanon paratissa. Si nous voulons lire cette histoire, nous devrions prendre deux chroniques, chapitre 26, et on pourra lire celle-là. Cet Ozias était un jeune berger. Et de deux chroniques 26 nous rencontre qu'il avait été un roi à l'âge de 16 ans. Et son père était un homme pieux. Et cet homme était un homme bon. Il avait des parents pieux. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Or nous voyons que d'ordinaire, je pense que notre grand problème aujourd'hui concernant ce que nous pensons être de la délinquance juvénile, c'est la délinquance parentale. Un foyer délinquant. Et quand vous avez un foyer délinquant, les enfants ne grandiront jamais avec une bonne éducation. Notre peuple s'est éloigné des choses auxquelles il devait s'accrocher. L'église est devenue tiède et froide. Et les enfants vont dans les mondes. Aujourd'hui, Hollywood diffuse un tas de films ainsi que des émissions télévisées autres qui ne sont même pas censurées, dans lesquelles on profère de blasphèmes et on prend le nom de Dieu en vain. Et autrefois c'était mauvais pour les enfants dans les églises de la sainteté d'aller au bioscope ou au cinéma. Mais aujourd'hui, Satan a fait un saut en avant en amenant cela en pleine dans la maison sous forme de télévision. Et puis c'est sans
censure. Na akuna mwenye na bikataza. Et ainsi de suite. Na vile vinginevyo. C'est le propre de Satan. Ile kabisa ni ya Shetani. S'infiltre graduellement. Enye aiko na jiingiza pole pole. Et comme vous ne savez pas aller au cinéma. Ekizi ya mwezi kwenda kule ku cinéma. Vous ne venez pas au ciné. Ya mwezi kwenda kule ku ciné. Et que vous êtes resté chez vous. Et na woli cha bakia kwa ko nyumbani. Disant que vous êtes des chrétiens. Wana sema mimi ni mkristo. Alors je vous amène toutes ces films. Toutes ces séries, toutes ces émissions sales, je vais les amener dans vos maisons au travers de la télévision. Et aujourd'hui, les sœurs sont devenues des spécialistes en séries. Ils connaissent tous les programmes. La paix peut être détruite dans une maison. La paix. Parce qu'il n'y a pas d'abonnement. Et vous trouvez que la maman fait pression sur le papa. Pourquoi? Je ne peux pas manquer cette série. Et vous trouvez que quand on prêche la parole, les sœurs ne plairent pas. Mais trouvez-les devant les séries. Ils sont là de il a un faux cœur. Oui, qu'on a room ou pas, oui. Ça me fait mal. Vous voyez comment le diable vous a envoûté. Et la télévision, c'est l'enfer vision. Ça détruit vos maisons. Ça détruit vos enfants. Il y a un enfant qui avait amené ses collègues et à qui ça a violé une fille à l'école. Et quand on l'a demandé, pourquoi vous avez fait ça? Tu l'as appris où? Vous avez la réponse de l'enfant. Je l'ai vu sur Novelas. Et l'enfant a reproduit ce qu'il avait vu à la télé. Vous avez amené la télévision. Est-ce que vous contrôlez ce que les enfants regardent? Comment toi, papa, maman, tu peux aller dormir, laisser les enfants à la télévision? Jusque dans les heures tardives, là, 1h, 2h, 3h, les enfants sont changea de chaîne. Et toi dans la chambre en train de ronfler. Il y a même Boroma. Des mamans qui ont le courage. Tous les enfants, vous n'allez pas dormir. Nini watoto, maman, tcheka, la série ici, c'est très bon. Vous aussi. Tu rentres encore. On a rudi à non, une vraie maman. Maman wa kweli. Dès que vous les trouvez comme ça. La ce sont des gifles. Vous éteignez la télévision. Vous êtes tous dans la chambre. Mais aujourd'hui, alakini leo, les mamans sont devenues très faibles. Très faibles. Ils sont dominés par les enfants. C'est pourquoi votre influence ne fait rien sur les enfants. Parce que vous-même, vous êtes faible. Vous êtes faible. Les enfants vous répondent n'importe comment. Les enfants d'aujourd'hui. Et si peut-être il y a un oncle ou bien un grand frère qui t'aime, pourquoi tu as répondu à ça? Tu t'as déjà mis au monde un jour. Tu connais les douleurs de l'enfant. Laisse mes enfants. Tu dois avoir tes propres enfants. C'est ça les mamans aujourd'hui. Et comme résultat, na la délinquance, je vais dire, ya watoto. Et frère madame dit, tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des foyers délinquants. Ile yote kwa nini kwa sababu kuna ile mandoa ya ubumbafu. Et c'est la faute des parents. Na ni kosa ya wazazi. Amen. Amina. Il c'est comme la vieille piste de Lige. Et iko sawa ile piste ya Lige. Beaucoup d'entre vous ne s'en souviennent pas. Parce que vous étiez trop jeunes. C'était un divertissement pour les enfants. On s'asseyait sur une
tombait continuellement. Il y avait un trou, une chute. Et chacun lançait les défis à l'autre de pouvoir s'approcher de Christ. Et puis après, avant qu'on s'en aperçoit, on tombait. Il est comme ça avec le péché. Ne jouez pas avec le péché. Usifanye mchezo na zambi. Ne voyez pas à quel point usione mkiwango gani. Vous pouvez vous en approcher. Unaweza kukaribia zambi. Voyez à quel point vous pouvez rester éloigné. Wewe uone nini unaweza kufanya kwa ajili ya kubakia mbali na zambi. Voyez. Unaona? Ne courez pas les risques. Usibebe kuingia mwili hatari. Si vous allez courir les risques, moi, je ne vais pas courir les risques. Est-ce que vous êtes des Branham? Est-ce que vous croyez au prophète? Si le prophète trouve qu'on ne doit pas s'approcher du péché, vous aussi les croyants du message, restez éloignés du péché. Ne vous approchez jamais. Zambi. Du péché. Zambi. Amen. Amina. Vous ne me direz jamais que tu peux rester à la télévision 30 minutes sans qu'on fasse passer des images sales. Ou bien elle nomme une femme qui s'embrasse. Ça se passe. Et quand tu es là avec les enfants, tu as toujours vu comment tu deviens mal à l'aise. Des fois, vous manquez le courage d'enlever cela, de changer de chaîne. Vous serez là en train de tout croyer les yeux. C'est pourquoi quand un prophète condamne quelque chose, écoutez-le. Faites ce qu'il dit. Quand il dit, si j'avais cette histoire chez moi, j'allais le fusiller. Foutez ça dehors. Et vous aussi, écoutez le prophète. Parce qu'il voit le danger de cette histoire. Beaucoup des enfants aujourd'hui sont détruits par la télévision. Les parents doivent avoir le temps de contrôler. Même les dessins animés que les enfants regardent. La plupart aujourd'hui, vous verrez toutes les pratiques de magie. Il y a aujourd'hui des dessins animés d'amour. Une histoire d'amour. Ils sont en train de regarder des dessins animés. Vérifiez. Tu dois sentir. Tu dois sentir. Tu dois sentir. Tu dois sentir. J'étais une fois dans une maison. Il y avait la télévision. Non, nous sommes des croyants du message. À un moment donné, j'étais en train de regarder. C'est un homme. Je ne permets pas à mes enfants de rester sur la route. Mais quand tu
tu pars dormir là, wakati unaenda kulala pale, où est Enoch? Enoch est où? Il est sur la route avec ses amis. Mais après toi tu es parti dormir. Tu sais ce qu'il fait dehors? Frère Branham dit, donnez à vos enfants l'éducation qu'on vous a donnée. Si vous avez été bien éduqué, transmettez cela dans vos enfants. Oh non, les enfants. Le problème c'est vous les parents. Prenez vos responsabilités. Tu ne sais pas à quelle année tu achetais les enfants, les habits aux enfants. Mais tu vas t'asseoir avec des habits neufs. Et ne travaille pas. Ça vient d'où? Tu n'as pas les bois de demander. Maman ne demande pas. Nos anciens parents ici doivent amener l'habit à la maison que lui n'a pas acheté. Mais tu vas avoir chaud. Amen. Amina. Paragraphe 14 à 16. Il dit ceci: ce n'est pas à quel point vous pouvez vous approcher, combien efficace vous estimez votre protection. Tenez-vous au loin que possible du péché. Éloignez-vous autant que possible. Vous direz bien, je peux faire ceci. Il n'y a pas de mal à le faire. Et bien, s'il y a un doute dans votre esprit, ne le faites pas du tout. S'il y a un doute quelque part, tenez-vous-en éloigné. Alors vous voyez, vous vivez donc absolument par la foi. S'il n'y a aucun doute, laissez donc cela. Ne vous en approchez pas du tout. Et je pense que dans bien des cas, ce sont les parents qui s'éloignent. Ni wazazi ndio wanaendaka mbali. Je sais que parfois, mina jua wakati ce mingi, sont les écoles et tout. Eh, ni masomo na binginevyo. Est-ce que vous êtes ici? Yes, Mungu anifuata. Il dit l'école du dimanche. Eh, ile masomo wala darasa ekodime. Ne prend qu'environ une demi-heure. Ayo inakuwa katu ya dakika makumi tatu. Ou une heure. Wala saa moya. Le dimanche matin. Eh, siku ya yenga asubuhi. Et le monde. Na dunia. Les enfants, watoto, le reste de la semaine, et il est yote na bakia mwiki, les bourgs d'histoire plus qu'une enseignante de l'école de dimanche. Et histoire, kuri ya histoire inabeba wakati mrefu kupita yenyewe wanafundisha mwiko. Le monde, et dunia, pendant la semaine, et mwiki yote, a beaucoup de temps. Iko na wakati ya mingi. De bourrer vos enfants de mauvaises histoires. Inajaza watoto wenu na babitu bia mingi bibaya. Plus que ce que l'enseignante de l'ekodime fait. Kupita bile enye watoto wanaonaka mwekodime mwile dakika makumi tatu. Je ne sais pas si vous comprenez. Si yue kama unanyelewa. L'ekodime, ekodime, c'est 30 minutes. Ni dakika makumi tatu. Samoya. Et si le moniteur ou bien la monitrice n'est pas sérieux avec ce qu'il fait, il peut venir là en train de débrouiller les histoires. Même il ne comprend pas où il amène les enfants. Il leur raconte des histoires, chantons. Les enfants chantent. Et après, dès que nous arrivons les lundi, c'est le monde qui récupère vos enfants. Ils sont en train de leur mettre beaucoup de choses, de mauvaises histoires dans la tête. Maintenant, le problème c'est quoi? Ça, ça mambo ni nini? Ne vous contentez pas seulement d'amener vos enfants à l'écodime. Musifuraie tu ile ali tu ya kuleta watoto mwekodime. Ayez le temps à la maison. Mukwena wakati nyumbani. Destruire vos enfants. Ya kuadibisha watoto. Selon le Seigneur. Kufuatana na Bwana. Nous sommes une famille chrétienne. Sisi ni familia ya Ukristo. Regardez. Racontez-les les histoires de la Bible. Waelezee mambo yenyeko mu Biblia. Amen. Amina. Je ne sais pas si les parents m'écoutent très bien. Il dit souvent, très souvent, na wakati mingi kabisa, la enseignante de l'école, mwalimu wa du dimanche,
dimanche a une petite leçon trimestrielle qu'elle donne pendant qu'elle se peint les lèvres et arrange ses cheveux. Elle laisse les enfants faire de leur mieux. Et puis à la maison, ils ne reçoivent aucune éducation chrétienne. Pas du tout. Maman se retrouve quelque part dehors. À une partie des cartes. Et papa est allé au boli. Et la sœur est sortie avec quelqu'un. Qui a un bolide. Et vous y êtes. Et vous voyez. Où allons-nous? C'est terrible. Et alors, nous voyons cela. Tous ensemble. J'ignore dehors. Parcourant la rue sur sa moto bicyclette. Et oh, il y en a qui jouent au golf et d'autres au billard. On est juste à l'un à l'autre divertissement et on rate l'église. Tu amènes l'enfant à l'église, c'est bien, on l'a enseigné à la maison. Papa, maman, ayez le temps d'instruire les enfants selon le Seigneur. Maintenant, toi, papa, tu ne lis jamais la Bible ou la Bible. Tu ne connais pas la parole d'abord. Les enfants, là, tu vas les instruire comment? Maman qui ne connaît pas la parole. Parce que vous devez instruire les enfants selon le Seigneur. Pas selon vos tribus. Oh non, soyez souple, soyez souple. Chez nous, on ne fait pas ceci. On ne fait pas cela. On ne fait pas cela. Tu as entendu? Tu es encore vivant. Je suis encore de parler, je suis encore vivant. C'est votre problème. Si je meurs aujourd'hui, c'est fini pour vous. C'est ça ce que tu donnes aux enfants. Toutes ces histoires de tribus là. C'est lui qui a instauré ça. Il a dit ça tout. De la parole. Alitosha kuneno. Et si c'est un païen, vous ne savez pas qu'il a fait des sacrifices pour conserver son pouvoir. Il y a des familles où le mariage des jeunes filles, on a sacrifié. Les autres, les filles, pour concevoir, c'est tout un problème. Les autres, les garçons sont très pauvres. Ils peuvent étudier des licenciés. Quand ils commencent à parler, c'est comme un journaliste de RFI. Mais pas de travail. Au lieu de te concentrer sur la parole, Non, instruisez vos enfants selon le Seigneur. Écoutez ce que Dieu dit. Mon enfant ne fait pas ça. Vous devez rester loin du péché. Partout où vous allez, qu'on sache que vous êtes des chrétiens. J'aime des bons enfants. Quand papa vous envoie, n'allez pas jouer sur la route. Allez-y tout droit. Évitez trop des amis païens. Je vais arriver où frère Madame dit, vous devez contrôler même les amis qu'ont vos enfants. Ne laissez pas vos enfants marcher avec des païens ou des païennes. Si tu trouves que ces garçons ne croient pas la parole, cette fille n'est pas chrétienne. Interdit à ton enfant de marcher avec lui. Oh non, bon, nous sommes à la mode, frère. Une évangile à Kumukini. Ça c'est l'évangile du village. Non. Abana. C'est ce qui donne la colonne vertébrale. C'est ce qui donne la vie. Vous savez, le prophète dit, les tribunaux pour enfants,
prouve que nous n'avons pas de discernement pour distinguer le vrai et le faux. Inaoneje ya kwamba sisi tunakosa ufafanuzi ya kujua mazuri na mabaya. Pour nos enfants. Kwa ajili ya watoto zetu. Et les tribunaux pour enfants. Ile mahakama ya kwa ajili ya watoto. C'est une honte des parents. Hayo ni haya kabisa kwa wazazi. Cela prouve. Ile inaonesha. Que les parents ont échoué à leur responsabilité. Wazazi wameshindwa daraka lao. Ils n'ont pas bien éduqué les enfants. Kuwadhibisha vizuri watoto. Discerner le corps du Seigneur. Et katika mahubiri kufafanua mwili ya Bwana. 34 à 36. Et kifunga kama 34 na 36. Parfois je me demande. Wakati ninajiuliza. Si nous, les intellectuels. Sisi wenyewe tulisoma. Nous avons assez de discernement. Et tuko na ufafanuzi kabisa. Pour distinguer le vrai du faux. Kwa ajili ya kufafanua mazuri na mabaya. Surtout les tribunaux pour enfants. Sana sana ile matribunaux kwa ajili ya watoto. Prouve que nous n'avons pas de discernement. Inaonyesha kwamba sisi hatuna ufafanuzi. Pour distinguer le vrai du faux. Kwa ajili ya kufafanua mazuri na mabaya. Pour nos enfants. Et kwa ajili ya watoto zetu. Et il semble na inaonekana avoir une bonne réponse inakuwa na jibu nzuri d'un psychologue et ya psychologue celui qui doit discerner pour son enfant c'est les parents et ule mwenye anapaja kufafanua kwa ajili ya watoto wake ni mzazi. Non, ça c'est faux, ça hii c'est ni mubaya, hii ni mzuri. Il y prenons par exemple ce cas. Si kwenda kwa mfano hii mambo hii si j'ignore kama j'ignore j'ai auprès de son père anakuja kwa baba yake et il tape de son petit pied na ye anapiga kama et qu'il s'écrie et secoue la tête en disant papa, papa, peu m'importe ce que tu dis, j'ai besoin d'une voiture gonflée. Ça c'est typique pour l'Amérique. Et il est capable de faire en Amérique. Si le papa dit ça va, j'ignore. Et comme papa a ses massaux, mon ami, je vais te l'acheter. Vous pouvez demander à ses papas pourquoi l'as-tu fait. Je l'aime. Écoutez ce que le prophète dit. Souvenez-vous, papa. Un jour, Junior va grandir et devenir un homme. Il se mariera et il aura une famille. Que Dieu aide cette femme. Mungu asaidie ule mwanamke qui vivra avec un garçon qui a été élevé comme cela. Mwenye ataishi pamoja na kiana mwenye walimkomesha mwile namna. Un garçon qui a été mal élevé. Ule kiana mwenye alikomeshwa namna mbaya. La fille qui l'accepte à mariage. Ule binti mwenye anamuitika munoa. Elle accepte le calvaire. Yeye anaitika magumu ya maisha. Éduquez bien les enfants. Mwadibishe vizuri watoto. L'enfant peut venir parce que papa l'argent achetez-moi le véhicule. Et babo niuzie gari. Le prophète est en train de dire ici. Nabiko nasema hapa. Un bon papa ne le fera pas. Mzazi wa kweli hata kifanya. Je me souviens un jour. Ninakumbuka siku moja. Alors que le pasteur Richard était encore en vie. Wakati ni mchungaji Richard alikuwa akingariki mzima. Il m'avait demandé de l'accompagner quelque part. Aliniombaka niende kumsindikize mahali fulani. Sale au retour. Et tukaenda kwa kurudi. Il me dit tu vois là-bas la maison. Unaona pale nyumbani. Des fois tu le vois prendre le thé. Wakati mwingine unamuona anakunywa chai ya. Non, tu vois les gens à la maison. Et unaona watu kule kwangu nyumbani wanakunywa chai. Ma femme prend le thé rouge. Et wanakunywa tu chai ya bure tu hivi. Mais ce n'est pas parce que je manque l'argent. Aina rangi haiko kusema mimi nakosa makuta. Yana. Makuta niko nayo. Mais lakini tout ce que je veux faire. Yote je veux que ces enfants sachent. Mimi napenda wale watoto wangu wajue. Ils doivent savoir dans leur vie. Wapate kujua kwa maisha yao. Que tout n'est pas facile à recevoir. Ya kwamba vyote awavipatake muteketeke. Il y a aussi des kuna temps wakati ingine pia. Où on peut manquer. Kenye muzazi anayemuto si neza kosa. Les enfants grandissent. Muache watoto wakumbe. Ayant dans leur tête que il y a yao, ne peut manquer dans notre maison. Ya kwamba munyumba yetu hakuna kitu cha kosa. Vous avez détruit les enfants. Mulicharibisha watoto mwile kiwango. Aujourd'hui, ce sont des enfants. Leoni watoto. Demain, ils vont grandir. Kesho watakuwa wakubwa. Ils vont se marier. Wataoa. Comme Sylvain. Esa wandugu Sylvain. Et Rachel vont le faire. Dada Rachel watafanya hapa. Maintenant, imaginez-vous. Hapa sasa mufikiri. Que Sylvain ici. Uyu Sylvain uyu. Bon, lui, c'est un orphelin. Yeye ni yatima. M'a dit hier qu'il a les parents sont décédés, on l'a laissé petit. Wa wazazi walifariki dunia. Ce sont les grands frères qui ont fait. Ni wakubwa njo wakaka njo l'ont élevé. Walimukomesha. Maintenant, imaginez-vous que si. Mufikiri kwanza kama. Il avait grandi avec des parents na wazazi, qui lui donnaient tout. Wenye walikuwa kimpatia byote. Analia tu kidogo, wanampatia beba. Papa! Baba! J'ai fait une jupe! Mimi napenda kigari. Beba mtoto yangu. Et qu'aujourd'hui, comme
ndoa da Rachel. Elle va bien vivre avec ses. Yataishi mzuri na dada. C'est des calvaires. Itakuwa mateso. Les enfants là que vous voyez, wale munaona, ce sont eux ni wao jo, qui seront des parents demain. Watakuwa wazazi wa kesho. Quand vous détruisez les rééducations aujourd'hui, madibisho leo, sachez que demain, kumba kesho, il n'y aura rien. Akutakuwa kitu tena. Enfants de Dieu, watoto wa Mungu, travaillez, mutumike, sachez que mujue kwamba, vous êtes passagers. Ya kwamba, muko wa kupita, il y a une génération una ile kizazi, qui va vous remplacer. Itabeba fasi yenu. Et qu'est-ce que vous avez fait? Na, nini mulifanya, pour cette génération montante. Aujourd'hui, nous sommes là en train de construire. Demain, nous ne serons pas ici. Kesho, tena ce sont les enfants ni etu, qui vont rester jo ici. Mais quelle génération sasa kizazi gani, vous allez léguer cet arbre? Amen. Amina. Écoutez ce qu'il dit, je ne serai pas très long. Ene na bien sema, sita kuwa murefu. Écoutez ce qu'il dit. Sikia kile na bien sema. Il dit que Dieu aide cette femme qui vivra avec un garçon Mungu asaidie huyu kijana mwenye qui a été élevé comme cela. Mwenye ataishi na ule kijana mwenye alikomeshwa vile. Écoutez ce qu'il dit, à recevoir presque tout ce qu'il veut. Yeye huyu ule kijana alikuwa akipokea yote enye analomba. Tel qu'il le veut. Kisi tu anapenda wamufanie. Il dit, il ne peut pas discerner le vrai avec le faux. Yeye hawezi kufafanua kujua mazuri na mabaya. Vous aimez les prophètes? Et tu unapenda nabii? Il dit, ça ce n'est pas l'amour. Anasema ile sio mapendo. C'est de la pire ignorance. Ile kabisa ni kutokujua kubwa. La Bible a raison. Biblia iko na sheria. Épargne la verge et tu gâteras ton fils. Wewe ukiepusha mtoto na fimbo ni kusema utamharibisha. J'aime mes enfants. Eh, mimi napenda kwa watoto. Il y a des fois des sœurs qui n'écoutent pas la parole. Wa tout le temps avec les enfants. Yote, watoto, kule muduka. Mutoto aliria. Beba. Unapenda na hii tena, beba. Unapenda kwa watoto wangu sana. J'aime mes enfants. Tu détruis. Uko na ribisha. Tu ne les aimes pas. Oh, wapendi wale watoto. Instruisez les enfants. Wewe adibisha mtoto. Et une bonne éducation, na maribishu mazuri, tu ne dois pas donner à l'enfant tout ce qu'il veut, tel qu'il veut. Hawezi kupatia mtoto bile biote anapenda mpaka vile gisa naipenda. Je me souviens de mon oncle maternel. Mina kumbuka muyomba angu. À un moment donné, il était là, vous pouvez wakati manger. Moja leto, ilikuwa pali tunaweza kula, tunakula. Un jour, vous le voyez lui-même. Ye mwenyewe. Avec le pondu, le sombe. Ye mwenyewe na sombe. Regarde la manyanya na lui c'est en train de venir. Ye mwenyewe iko na kuya na bisombe. Nous avons grandi avec ça. Si yetu likomeaka na hii. Mangez d'abord ça. Mukule kwanza sombe leo. Bisombe tena. Mange. Mama il disait, wakati wewe kwa kusema unaona gisi ni kwa. Si je vais acheter la Mercedes. Kama napenda kuuza Benz nitaiuza. Si je vais faire kama napenda kuuza kiflani nitauza. À un moment donné il faisait des choses hivi, alikuwa ifaa vitu. On pensait qu'il était en train de nous maltraiter. Kwa kiwaza kwamba yeye kuna tuteswa. Vous pouvez être là, Et elle rentrera à la maison et avant
dira un mensonge. Comme quoi il n'y a pas de mal dans ce monde. Madame dit que Dieu soit miséricordieux envers cet homme qui prendra pour femme quelque chose comme cela. Discerner le vrai du faux. Nous ne sommes pas capables de discerner ce qui est pour nous propre. Une fille, tu la laisses, elle sort. Tu ne sais pas avec qui elle était. Elle ne va pas te voir. C'est comme si les diacres ils sont en train de choisir. Quand les frères veulent se marier, on les dirige quand, ailleurs. Mais chez moi ici, vous ne voyez pas. Quand les frères, que Dieu soit miséricordieux envers l'homme qui prendra une fille comme ça, comme femme. Ta fille ne peut pas sortir, tu ne connais pas où elle est. Tu ne sais pas avec qui elle est. Tu ne sais pas ce qu'elle a fait. Et quand elle revient là, comme les enfants d'aujourd'hui, bonjour. Et jambo. Et toi aussi tu es là, bonjour. Est-ce que tu es vraiment une mère? Et tu es une mama kweli? Tu es réellement papa? Oui, kabisa ni baba wa kweli. Ton fils qui vient là. Mtoto yako anarudia. Bonsoir. Jambo. Il entre là, il tape la porte. Ana pika ta mulango, boum. Et toi tu es là. Na wako tu pale ukina mwangalia. Tu peux même un jour, un monsieur lui salue. Bonjour. Eh, jambo. Frère Banam dit, j'ai compris qu'il ne me connaissait pas. La personne que tu connais, tu ne peux pas lui saluer bonjour. Bonsoir. Jambo. Jambo. Bonsoir qui? Jambo nani? Un enfant bien éduqué, dès qu'il trouve les parents. Bonsoir maman. Eh, nakusalimu mama, nakusalimu baba. Ça va? Eh, tu étais où? Ulikuwa wapi? Non, j'étais à tel endroit. Fulani. Je ne vais pas les désordre. Si pendi fuyo. J'ai compris papa. Eh, mina esikia baba. Va dans ta chambre. Wende mchumba yako. Ndiyo. Mpana mtoto aisha vimba. Bonsoir. Eh, nakusalimu. Papa aussi avec ses lunettes. Baba Diana Darubini yake. Bonsoir. Bonsoir. Non. Hapana. Et quand l'enfant te manque du respect là, wakati mtoto anakosea adabu, il ira manquer du respect à ceux qui sont sur la route. Pia kukosea adabu wale wenye atakutanisha kwa barabara. Veillez sur cela. Mukeshe kwa ile. Et Dieu vous bénira. Na Mungu atamibariki. Restez attaché à la parole. Et vous verrez la gloire du Seigneur. Ayez le discernement. Pour distinguer le bien. Kwa ajili ya ufafanua. Pour aider vos enfants. Mazuri kwa ajili ya kusaidia watoto. C'est une grande responsabilité. Ayo ni daraka kubwa. Que Dieu vous a donné. Nenye Mungu alimipa. C'est pourquoi les prophètes disent. Ndio maana nabii anasema. Je sais que c'est dur. Mimi najua kama ni nguvu. Mais nous avons besoin du discernement. Nous avons besoin du discernement. Par la parole. La parole est vraie. Prenez la parole. La parole de Dieu est toujours vraie. Et nous ne pouvons pas discerner par ce que les gens pensent, ce que les intellectuels nous disent, ce que les psychiatres nous disent. Nous devons y aller par ce que Dieu dit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ne discernez pas les corps du Seigneur. Beaucoup sont faibles, malades. Beaucoup s'endorment, morts spirituellement. Mort. La dernière plaie qui a frappé l'Égypte était la mort. La dernière plaie qui frappe l'Église, c'est la mort spirituelle. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un réveil spirituel, d'un réveil spirituel du discernement. Et si nous pouvons avoir cela, Dieu nous aidera.
mahubiri mashtaki paragraph 7 katika kifungu yake ya 7 a 11 mpaka 11. Amen. Amina. C'est au courant de la semaine mwiki, que je vais approfondir sur comment éduquer une adolescente. Ya kuadibisha kiana. Parce que quand l'enfant arrive à l'âge de l'adolescence, c'est là que les parents déclinent leur responsabilité. Mais comment éduquer une adolescence? Amen. Amina. Vous devez savoir que ces enfants arriveront toujours dans une période où il y a un changement. Kuna mabadiliko. On a la période de changement. Et tuna ile mawakati ya mabadiliko. Le prophète dit l'être humain na bien asema mwanadamu traverse deux périodes. Il y en a pilishaka wakati mbili. De changement ya mabadiliko dans sa vie. Katika maisha yake. On a la période de changement ya mabadiliko pour passer d'un garçon et kwa jile kutoka mukiongo, à un homme. Ya kijana d'une fille à une femme vers l'âge de 16-17 ans, ils sont comme une bande d'étourdis. Et si vous pouvez simplement être patient avec eux pendant qu'ils sont à cet âge-là, dis-je une fille qui est à cet âge-là, à ce moment, Rebecca, priez pour elle. Et Billy, Nabili, yo, chacun de nous, nous traversons cette période de turbulence à cet âge-là. Alors il faut être patient avec eux, comprenant que c'est quelque chose qu'ils doivent traverser. Donc, quand l'enfant arrive à l'âge d'adolescence, toi papa, toi maman, soyez patient avec l'enfant. Amen. Amina. Parce qu'ils doivent traverser cet âge. La patience. Et si vous pouvez faire cela, Dieu Mungu vous bénira. Et pendant la semaine, je vais vous montrer comment vous pouvez gagner l'enfant qui passe par cette période. Mungu. Amen. Amina.